Le football devrait reprendre droit de cité cette saison à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. Et le Kanemi Warriors, l'équipe phare de la capitale de l'état de Borno, n'a plus joué sur ses terres depuis 3 ans à cause de la menace Boko Haram. Les joueurs se disent impatients de communier avec leurs supporters. On espère intégrer les meilleures équipes du continent. Ça fait un bout de temps que la ville est pacifiée, près de 3 ans maintenant. Les seules attaques qui ont lieu à Maïdougouri, c'est à l'extérieur de la ville, pas à l'intérieur. Maïdougouri, not inside Maïdougouri. Alors que les attentats se multiplient dans la région, les responsables de l'équipe estiment que le football pourrait faire baisser la tension entre les communautés. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de football. Le football peut faire revenir la paix dans la communauté. Par la grâce de Dieu, après 1 ou 2 matchs à l'extérieur, nous devrions revenir à Maïdougouri pour jouer. Cela rendra les gens heureux et le football aura ramené la paix dans la région. La décision de reprendre le championnat à Maïdougouri appartient à la Ligue nigériane de football. Mais il faudra aussi que les 19 autres clubs du championnat acceptent de se rendre dans le nord-est malgré les problèmes de sécurité.